Eh bien, il a bien fait de modifier les réglages au dernier moment puisque ça a fonctionné. Il se qualifie en finale. On a donc trois pilotes en finale. Un pilote hollandais, un pilote allemand et Black Power. Le premier à se lancer, c'est Green Spirit numéro 7 de Geoffrey Corstange. Et c'est 90 mètres 37 en finale. Oh là là, grosse performance dans cette catégorie de 2,5 tonnes modifiées. Est-ce que Black Power va réussir à s'imposer dans cette classe? Rien de sûr, tant Green Spirit a sorti une grosse perf. Paul Hager Jensen, qui avait réalisé un très beau full pull lors des éliminatoires. Et ça sera moins bien. Et on voit ça, oui, un problème de trajectoire qui lui fait perdre toute sa vitesse initiale. Pendant ce temps-là, le lest fait son boulot sur la remorque et empêche le tracteur d'accélérer et de retrouver une vitesse suffisante. 73,03 m pour Black Power, deuxième de cette finale puisqu'il n'y a que deux tracteurs pour l'instant. Et le dernier à se présenter, c'est Green Monster de Dirk Wessel, l'Allemand. Et bien ça sera moins bien que le 90,37 m Green Spirit. Est-ce que ça sera mieux que... Oui, c'est mieux que Black Power. Deuxième place donc pour Green Monster. Troisième pour Black Power qui s'est bien battu quand même, le pilote danois. Et Black Power possède 20 points d'avance sur Green Spirit et sur le coiffeur. Et on va se quitter avec ces images. Le tracteur pooling, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toujours sur Motors TV pour la fin de saison. Alors, à très bientôt. Ciao !